faire ce chalet. On peut même faire de la pole dance. Vas-y, viens yo-yo, viens me rejoindre. Woo! Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face, don't let these bones slow you down. Cause I'm coming on strong, the grass should've looked greener, I'd be a true believer in disguise. If I'm loving you wrong, sure changing and receiving, girl, you best believe in me behind. Salut à tous. Pas l'habitude hein, de me lever à cette heure-là, moi. Oh. Il est 6h15. Et là, on va se mettre en route pour cette fabuleuse semaine. T'es prêt, toi? Non, t'es pas prêt, là. On dirait Kirikou. On va pas sortir comme ça, non? Allez, on se prépare. Je prépare tout le matos vidéo. On prend tout ce qu'il faut parce que là, on n'a pas l'habitude de partir sans notre maison. Et voilà, à tout à l'heure pour la suite. On a prévu d'arriver vers midi 13h. Et ensuite, on ira voir le bateau, faire un petit check de tout ce qu'il y a à faire. Voilà, pour la semaine. J'ai hâte d'y être. À tout à l'heure. Mais tu viens, on y va? Toi aussi, t'as du mal à te lever le matin? Bah oui, hein, il est tôt. Allez, en route. En route, petit chien. Allez, en route. Allez, en route. En route, petit chien. Allumette, elle est pas du matin non plus. Hein. Sa maîtresse. Ouais. C'est bon, c'est prêt? Non. Oh là là, c'est trop dur! Un seul truc que j'ai horreur de faire, c'est les valises. Et ça ouais. Me prend la tête, les valises. Mais bon, faut bien. Allez, en route. Allez, c'est parti. Wow, c'est un vrai petit. Il va falloir faire passer tout ça, matériel photo, vidéo, dans le bus, dans la voiture, dans la Zafira. Ah, je sais pas comment on va faire. Là c'est bien. Ça y est, nous sommes en route pour Royan pour prendre le bac. Hein, le bac acier. Le bac à sable. Le bac à eau. Le baccalauréat. Ouais, le bac à légumes. Le bac à légumes, le bac à frigo, le bac à linge. Le bac à linge. Le bac à frites. Concentre-toi. Voilà. Grosse semaine qui nous attend. Toi tu vas bosser pas mal sur ton entreprise. Ouais. Et moi, je vais aider les copains, ça va être bien cool. Et on va pas gratter de la moule. Parce qu'apparemment, on va pas sortir le bateau parce que ça coûte assez cher.
Et ils sont en train, j'ai pas trop compris ce qu'il m'a expliqué Johan, vous verrez mieux dans les prochaines vidéos. Ils sont en train de commander la peinture, enfin l'anti-fouling, c'est une peinture exprès, enfin je sais pas trop, je vais peut-être dire des bêtises, qui permet justement que, les mollusques qui se collent et tout. Et ils sont en train de prendre une peinture qui est pas très polluante, parce que c'est un truc qui est assez polluant ça normalement. Et là ils sont en train de commander la peinture qui va bien. Et ils ont dit si on le sort, il faudra qu'on le ressort dans 3 semaines pour refaire bien le truc. Donc il a dit on sortira vraiment après. Et je sais pas si là on pourra y aller, on verra. Mais voilà, mais il y a plein de trucs à faire. Il faut faire. Ils vont créer un propulseur, ils vont monter un propulseur d'étrave. Il y a vidange à faire, faut démonter les trucs qui sont mal mis, tout ça, et vieux machin. Les matelas, ouais, les draps. Un gros coup de propre à faire là, et un gros coup de révision mécanique au niveau du moteur et tout, et ça va être cool aussi. Voilà, donc on continue la route, et puis on vous dit à tout à l'heure, notre petit bandit. Hein ? À tout à l'heure. Voilà. Oh, son petit collier, il gênait allumette. Vas-y, dégage. Allez, mais mets-le autour de ton cou. Vas-y, lâche-moi. Arrête. Allez, j'ai envie de te repérer dans le noir. C'est grave. Mais t'as fini, oui. Laisse-toi faire. Non. Ça me fait moins mal quand c'est fait. Arrête, ça pue en plus, c'est dégueu. Il y a plein de poils. Allez. Mets-le-toi. Tu vas en soirée. Ah, oh, ça fait bizarre. Il manquerait plus que des tenues en cuir. Ah, allez, on va en soirée, c'est parti. Wouh. Allez, on arrête les conneries. Non, allumette, elle avait mal en fait. Le collier, il faisait mal. Mais en même temps, il est aussi lourd qu'elle. Ah, c'est clair. On était obligé de faire 10 fois le tour de son cou. Bon, on va y aller ou pas là? Allez, en route, c'est parti, j'arrête les conneries là. Bon, on est en train de faire un truc là, une grosse connerie. Pour changer. Charlotte, elle arrive à faire un truc que nous, on n'arrive pas à faire. C'est nul en plus. Hein. Ouais, c'est nul. Attention, elle va vous le faire. Oh, bah, je rigole. Elle fait un truc avec sa bouche. Comme ça. Et nous, non. Et nous, on n'arrive pas. Concentre-toi. Je peux pas rigoler, c'est comme quand vous essayez de siffler et puis il y a un coup en face qui vous fait rire. Du coup, vous n'arrivez pas à siffler. Allez, vas-y, concentre-toi. Concentre-toi. Arrêtez de me regarder aussi, c'est pas évident. C'est... Il faut énormément de concentration. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Non mais franchement. C'est comme le Joker. Ouais, le Joker, j'arrive pas à faire ça moi. On essaye tous depuis tout à l'heure. Parce que moi j'ai une tête de The Mask, alors forcément c'est pas facile. Ouais, c'est parce qu'en fait t'as une tête bizarre. Vas-y, regarde-moi le faisant, maman, s'il te plaît. Non, t'es comme ça toi. Tu sais comme ça. C'est trop bien. On dirait un papy. Il est trop bien. Top. Ouais, c'est dingue ça. Oh, vous avez vu, elle a un don. Super, c'est... le don. Je savais pas que t'avais un don comme ça. Femmes, ça peut faire plusieurs choses à la fois.
que la route elle va être longue. La route elle va être très 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 longue. On a 4 heures de route, mais je crois que ça va être super long. À tout à l'heure. A priori de 5 ans. 1, 2, 3. Ah, ouais, mais quand je fais les claps, ça fait un peu mal aux oreilles. Ouais, je suis désolé. C'est vrai, je t'ai fait mal. Ah ouais, putain. C'était pas mon intention. Ah, oh, comment ça m'a résonné. Ça va? Est-ce que c'est pire quand on fait le petit bisou à l'oreille? Ah non, c'est comme ça. C'est la mer. Elle est toute marron. Voilà, nous on attend ici le bateau tranquillement. On a une heure à attendre le bac. Je sais pas où on le prend en fait, on doit le prendre là-bas. Regardez, ça fait un peu comme un péage. Viens l'allumette. Ça fait un peu comme un péage. Et nous on est garé là-bas. Voilà. Où on est? On est à. Bah, on est à Royan. Non, on n'est plus à Royan. Je sais plus le nom. je viens d'arriver dans une ville et je sais déjà pas le nom de la ville. Enfin, on est là en fait, voilà. On va prendre le bac. Hein? Après Royan. La ville, je ne sais plus trop. C'est Royan, c'est ça. On a fait Rochefort-Royan. Voilà, c'est ça, on est à Royan. Hein? Ah, ça sent le sel. Hein, hein, ça sent le sel. Non? C'est joli? Est-ce que c'est joli? Ouais? C'est joli ou pas? Est-ce que c'est joli, Lucas? Tu te repasses, tu fais une petite pause? Hein? Oui. Là, c'est nickel. Petit péage, comme ça les véhicules ils avancent vite. Ah ouais, d'accord, et peut-être qu'après on pourra voir le bateau arriver, ça serait bien ça. On va être garé, on sera posé, on attendra le bateau. Voilà, c'est voilà. Ça. On est où? On est à Royan, je savais pas Royan. Dire tout à l'heure. On est à Royan. On est à Royan pour aller au Verdon. Au Verdon. Et pas Verdun. Verdun. Ouais. À Verdun. Et sinon, il y a des toilettes? Non, je suis allée au restaurant. Non, c'est vrai, bah, t'as dit qu'il y avait des toilettes publiques. Bah ouais, impossible d'aller trouver. J'ai dit au gars, je suis désolée, je peux prendre vos toilettes, un petit restaurant super chic ouais, et tout. Ouais, ouais. Je vais filer 1€. Mais c'était marqué toilettes publiques. J'ai dit toilettes publiques, il y a des pancartes, je les trouve pas. Il me fait, ah ouais, ils sont cachés, ils sont de côté là-bas. Et je sais pas trop où en fait. Bah moi, il va falloir que j'y aille, hein, parce que j'ai envie de faire caca. Il y aura peut-être des toilettes. Je sais pas si tu peux sortir après. Hein. Ah bon? Il y a peut-être des toilettes à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Mais il m'a dit qu'il y avait des toilettes publiques par là-bas. Je les ai pas trouvées. Enfin bref. Ouais, enfin, si c'est comme les routes qu'on prend à chaque fois. T'as pris ton GPS? Peut-être pour ça que t'as pas trouvé. J'ai pris là-bas, j'ai marché je sais pas combien de temps jusqu'au bout. J'ai rien trouvé. En même temps, ils mettent toilette publique à 100 mètres là. Mais en fait, quand je suis revenue sur mes pas, ils étaient carrément tout à gauche. C'était mal indiqué. Bon, bah, on attend et puis on prend le bateau tout à l'heure. Ça y est, on avance. Il y a quelqu'un? Lia, elle a pas 4 ans. De quoi? Tu vas mentir? Parce qu'il faut dire qu'elle a quel âge? Bah, c'est jusqu'à 4 ans alors. On dit quoi? Ils vont demander tu les parles, âges. Elle va... ouais. Tu parles, elle va payer un bal. Un bal, c'est un bal. On va voir si on peut gruger. Non. Si? Vas-y. Attends, c'est pas pour 2 mois. Elle va bientôt prendre 4 ans. C'est quoi sa date de naissance? Je vais faire. Faut voir ça avec ma femme. Et là, c'est toi qui te démerdes. Ah, l'enfoiré. Moi, je suis un homme. Je sais pas les dates de naissance des enfants. Je sais que c'est en août, Julia. C'est le 11 août. C'est le 11 août. Bah, j'allais dire 6, tu vois. Non, 6 août, c'est notre date de mariage. Ah, ça fait petit. Hein. Ça? Allez, c'est parti. Attention, stress, t'as son coup. Mais non, c'est bon, tu dis, tu dis les vrais. Bonjour. Bonjour. Deux adultes, deux enfants. Bah, deux adultes, je sais pas si on peut le prendre pour un adulte, mais bon. Enfants, 11 ans, 10 ans. Non, n'importe quoi. 9 ans, 10 ans. Il y en a tellement aussi. 9, 10, 2, 4. Alors, 2 adultes, 9, 10, 2, 4. Elle prend 4 ans demain, en fait. C'est ça le truc. Sans contact? Non, c'est en espèce. Ah oui. Nous, on préfère avec contact. C'est bien mieux les contacts. Ah, c'est mieux. C'est sûr. Vous avez dit combien? 25, 60. Ah, t'as pas de monnaie? 25, ah, si, 60. C'est bon, j'ai la monnaie. Vous avez des toilettes par là ou pas, à tout hasard? La gare. Et le bateau, il arrive dans combien de temps? 14h15. Ouais, on va le voir arriver de loin. Putain, tu suis rien, toi. Bonjour.
Et donc pour le retour, non, on paye pas maintenant, ça sera là-bas. Pareil en fait. Ok. Ok, ça marche. Et là, on n'a pas de petite carte The Vadrouilleur Forever. Tu vois ? Qu'est-ce qu'ils sont valides ? Tu vois ? Bah non. Ça se trouve, ils... Voilà quoi. Et vous prendrez la file numéro 6. File numéro 6, ça marche, merci bien. Excellente journée à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. J'aime bien être gentil avec les gens parce que quand on est gentil avec les gens, ils sont tout le temps gentils avec nous. C'est vrai. Hein ? La file numéro 6. Allez, les enfants, on compte. 1, 2, 4, 5, 6. Hop! Viens chercher. Bah, tu parles, Julia, elle a même pas payé. Bah non, parce que j'ai dit qu'elle prenait 4 ans non, demain. Non, mais même, c'est, à part, c'est des 5-13 ans. Ah. Enfin, comme quoi, ça sert à rien d'être malhonnête. C'est clair, hein. Et toi, c'est toi, pour demain. Gagner 1 euro, t'es bien une femme, tiens. Voilà, ça y est, on attend le bac. Regardez. Hop! On est posé. Il n'y a plus qu'à attendre le bateau. Et en route pour le Verdon. Pas très bien. Allez, viens, on grimpe. Tu verras en haut, c'est encore pire. Descendu. Oh, ça tangue un peu. Je sais pas si je serais fait pour la mer en fait. C'est vrai? Ouais. Oh, putain, ça va dire. Et ça caillait là. Purée. Non, non, franchement, ça a bien tangué quand même. Et là, c'est rien. T'imagines quand mais ça doit. Pas beaucoup de vagues, ouais. Quand tu veux comme ça. Oh. Non, franchement, là, j'avoue, heureusement qu'on a mangé à 10h. Ouais, on s'est arrêté pour manger à 10h, mais je pense qu'heureusement qu'on s'est arrêté parce que là. C'est un petit peu chaud quand même, hein, en fait. Voilà. Allez, on va rejoindre nos copains et on va découvrir le logement ou alors le bateau. On sait pas trop comment ça va se passer. Ou est-ce qu'on les rejoint ou pas, ouais, on sait pas encore. À tout à l'heure. Route barrée à 300 mètres. Oh putain. Ah ouais, mais quand je suis bien obligé de faire mes claps aussi, tu le sais que je vais les faire. Bah, tu peux le faire moins fort. Bah non, faut que je fasse fort comme ça. Non, tu fais clap. Mais non, sur ma barre de son, là, sur mon logiciel, au moins ça fait un grand pic. Oh, et là, je peux aligner mon son avec mon image. Bon, on arrive bientôt là et en fait ils sont en panne avec leur top 4. Ça commence bien. Donc on va voir ça. On va aller les rejoindre du coup. On va aller les rejoindre. On est là dans 3 minutes au port directement et ils vont se faire tirer avec le 4x4 et tout là. Oh là là, c'est chiant ça. Un problème d'antidémarrage apparemment si c'est ça. D'antidémarrage sur un Hyundai Galloper.
Bon, bah, il galope pas beaucoup pour l'instant. On sait qu'on va pas prendre ça pour partir en voyage. Ouais, ça veut rien dire, mais bon. Non, je plaisante. Allez, à tout de suite. Ouais, oh là, il y a de l'eau, regarde, vas-y, filme. On va se perdre. Vite. Vous êtes en panne, monsieur? Oui. Ah eh ben, c'est du bon, ça. Ah, un petit peu dégoûté, regardez le Hyundai, en fait. Problème de boîte de vitesse, la marche arrière restait bloquée, c'est ça? Putain, merde. Et ils doivent changer l'émetteur, et en fait, ils l'ont, il est là-bas, de l'autre côté, dans bah, le Gers. Ils devaient le changer, mais du coup... Mais apparemment, ça serait plus grave que ça. Ah, c'est moche. C'est très moche. Non, allumette, monte pas. Mince. Affaire à suivre. Bon alors mon copain, t'étais pas venu pour faire le bateau? Si. Qu'est-ce qui te fait chier à faire de la mécanique sur ton camion? Ouais. Faire bateau, mais tu vois. Ouais, on rigole, mais ça fait chier quand même. Faire bateau, mais c'est faire 4x4 en fait. Ouais. Donc il est resté bloqué en marche arrière et en fait, il est bloqué. C'est pas comme s'il y avait son récepteur qui avait pété, on pourrait repasser au poids mort là. Il est vraiment bloqué en marche arrière, donc je vois pas trop ce qu'il pourrait faire ça là pour le coup. J'espère que c'est pas trop grave. Sinon, ça sera tombage de boîte. Ouais, mais ta tringlerie, si elle se rend en mauvais état, tu pourrais quand même repasser au point mort. On dirait qu'il est bloqué, qu'il y a un truc qui a sauté, tu sais, qui te bloque. Ah ouais, peut-être dans ta tringlerie, un truc de bloqué. Donc là, il démonte les deux leviers. Il démonte les deux leviers pour... Ouais, pour il en démonte le grand, le principal, pour voir ce que ça pourrait être éventuellement. Voilà. Eh ouais. Les joies de la mécanique. Les joies des véhicules d'occasion. Bah tu sais, véhicule neuf, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux, non. Donc, il y a toujours une bonne issue, normalement, c'est au truc. Plutôt, c'est hein? Plutôt positif. C'est positif. Ouais. Tout à l'heure... Attends, répète ce que tu as dit, c'est intéressant. Ils ont appelé l'assistance et elle va vous dire, Déborah. Et en fait, donc l'assistance... Alors, c'est Alliance, attends. C'est Alliance. Ouais, Alliance. Ils ont, on va voir ce que ça donne. Hein. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ils vont rien avancer. Non, mais vas-y, dis ce qu'ils t'ont dit. En fait, ils ont dit donc que... Que donc quand tu es client chez Alliance depuis plus d'un certain temps, donc là a priori depuis plus de 2 ans, ils ont une assistance cadeau pour leurs clients où ils peuvent prendre en charge la totalité des pannes en fonction des pannes. Si voilà. C'est une panne d'un organe vital, un truc comme ça, quoi. Si c'est une panne, vous vous rendez compte qui empêche vraiment le réel fonctionnement du véhicule. Ah là oui, ça empêche. Hein. Ah ouais, légèrement. On a essayé, ça empêche vraiment. C'est pas pratique de rouler en marche avant là. C'est pas possible. C'est pas dans un film, ils ont tout fait en marche arrière. Il n'y a pas un film comme ça. Le mec, il a tout fait en marche arrière. Non, il y a des films. Si, regarde, les gens, ils vont nous le dire en commentaire, tu verras. Il y a un film où ils ont tout fait en marche arrière. Ouais, ils peuvent le faire avec le 4x4. Ah non, c'est des jeunes qui avaient piqué une bagnole à leur père et ils l'ont ramené dans le garage. Une bagnole de sport, ils l'ont mis sur des cales en marche arrière. Pour que le compteur, il redescende. Et en fait, à force, la voiture, elle est tombée, puis elle a passé à travers la vitre et tout, elle est tombée dans l'eau, tout ça. Si, ils vont dire, tiens, les bandits. Bon, on attend de voir. On vous donnera plus de nouvelles dans les prochaines vidéos. On va vous faire voir le logement tout à l'heure. Parce que nous, on a commencé depuis ce matin, le vlog et tout, là. Donc, on était super contents. On a dit, allez, on va voir le bâton. On pourra peut-être même pas le voir aujourd'hui, alors. Bon, peut-être si après, peut vite fait. On peut y aller, tant que le dépanneur, il a tant pas que le dépanneur n'est pas là. Ah, d'accord. Bon, on va aller voir le bateau, alors c'est parti. Dans le bateau. Allez, c'est parti, on va voir le bateau, le voilier. Il est sorti? Ah non, il n'est pas sorti, encore dans l'eau, c'est ça? Non. Et ici, on est au port de quoi alors? Il est gros ce port quand même. Au port Médoc, au Verdon. On est à Port Médoc, regardez tous les voiliers. C'est celui-là qui est sous la grue là? Non. C'est cette grue là qui va venir enlever le vôtre? Ouais. C'est ça. 45 tonnes. Alors c'est compliqué sur le port ici parce qu'en fait sur le port eux ils ont le ver là qui est à eux. Ouais. Et toutes les trucs de calage, bah c'est pas à eux. Donc faut les louer à un chantier. Ah d'accord. Faut louer les trucs à un chantier et ensuite eux ils sortent le bateau, ils le calent. C'est comme ça dans tous les ports ou... Non, c'est pas comme ça dans tous les ports. Ouais, parce qu'il me semble qu'ils avaient leur propre grue quand j'étais ça dépend des à Leucate. Ouais. Et ben ici ils ont le ver mais ils ont pas les trucs de calage. Merde. Et autant, c'est pareil, autant on connaît les bateaux, autant ce qu'on sait pas, c'est comment ils... Enfin, eux, ils veulent le caler comme ça. Comment ils calent les biquilles.
Parce que nous, on ne voit pas l'intérêt de mettre ça là-dessus. En fait, c'est un biquille. Tu mets deux planches. Ah, vous, c'est un biquille. Ouais. Ça veut dire qu'il y a deux quilles. Il a deux quilles. Donc, en fait, tu mets deux planches en dessous et puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de le caler. Bah, regarde. Tu vois. Ah, donc, ouais, d'accord. Bah, comme le kata, qui est sur planche, en fait. Ouais, alors, c'est lequel ? Allez, c'est celui-là. Tu m'as pas dit que c'était un catamaran ? Oh la vache, c'est énorme ça. Attends, putain. C'est du coup, oh la largeur du truc toi, il faut au moins 6 mètres de large celui-là. Ah oh, bah attends de voir celui qui est au bout. Ah ouais va rentrer, oh la vache. Là, c'est au bout, ils sont chouettes ça là. Là on est dans les 10 mètres, là 10-12 mètres c'est ça. J'aime bien quand tu peux rentrer comme ça aussi moi, tu vois, ceux-là. Quand c'est plat à l'arrière, j'aime bien, ouais. Alors du coup, il est où votre bateau ? Hein ? Oh, je l'avais même pas vu, c'est foiré. Ouais, voilà, bon, ça change de standing, mais voilà, comme Déborah disait, il a une âme. Hein ? Et puis comme ils sont pas millionnaires, voilà, hein, c'est celui-là. Ouais, mais en fait... Et il fait combien en mètres ? Il fait presque 12 mètres. Presque 12 mètres ? Mais en fait, si tu veux, si on avait un comme ça, ben en fait, on saurait pas lequel c'est au milieu des autres. Ouais, c'est vrai que celui-là, au moins, on le remarque. Celui-là, on sait lequel c'est. Exactement. On peut venir faire Titanic sur celui-là. Non, il coule pas encore. Ouais, un bon anti-fouling, ça lui fera du bien. Ouais, tu crois ? Ouais. Bon, là, en fait, on est en train d'attendre le dépanneur pour le Hyundai et on est venu visiter le voilier. Et on rentre par là, c'est ça ? Ouais. Et on rentre facilement. C'est plus facile que sur celui de Valhalla. Valhalla, le voilier rouge. D'accord, oui, mais attends, je sais, on sait, attends, ça, vous venez de l'acheter, il n'a pas été entretenu depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Voilà, c'est normal, il faut voir le potentiel, il faut pas juste regarder les trucs où il manque du vernis, quoi que ce soit. Bah, hein. Ouais. Bah, tu vois, tout est cramé. Ah ouais, donc ça, c'est resté à l'air libre et tout. C'est resté comme ça pendant 5 ans. Oh là 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 là, ils ont même pas protégé, non, parce que non, ça, normalement, tu les enlèves. Ouais. T'as des caches, en fait, qui vont dessus. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça, des caches. Non, en fait, ils ont rien. Ah ouais, ça a cramé que le soleil, le truc. À l'intérieur, il y a des caches. Bah, tu vois, regarde. Non, ils les ont, les caches. À l'intérieur, ils ont les caches. Oh non, ça, c'est abusé. C'est cassé, ils ont mis du scotch. Ouais, d'accord. 5 ans comme ça. Est-ce qu'on peut monter sur le dessus ? Ouais. D'accord, donc tu peux monter partout en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le tour assez aisément. Ça, c'est... Et du coup, pourquoi il n'y a pas de cordage partout qui traîne ? De drisse. Ah, que t'as pas les drisses et les écoutes ? Bah non, pas encore. Parce que... Ah, voilà. Sinon, ça va. Ils vont être ici aussi ? Sinon, là, ça passe là, ouais. Ici, ah, donc ça va, c'est un peu plus, c'est à peu près centralisé, quoi. Oui, après, ça vient tout au huit principal qui est là. Si, t'as un bidon vert. Donc là, t'as les écoutes qui passent sur les côtés, et là... Donc, après, quand t'auras tous tes cordages, t'auras le passage qui sera libre ici. T'auras pas de cordes qui traîneront par terre. Si, tu vas en avoir. Ils traînent pas par terre. Ils sont là, le long, dans les rails. Tu vois, les rails sont enlevés. Mais... Ah, d'accord, ok. Ouais, moi, je suis déjà en train de me faire engueuler. On doit pas dire des cordes, ça porte malheur. Ils emploient tous des mots que je sais même pas ce que ça veut dire. Comment vous voulez que je m'en sorte, moi ? Hein ? Des drisses, des écoutes, pourquoi on dit pas juste des cordes ? La corde verte. À pendre quoi ? Les mutins. Ceux qui se rebellent. Les petits lutins qui traînent dans la forêt. Les mutins, ceux qui se rebellent. Oh, ça vient de là qu'on ne doit pas dire corde. Exactement. C'est pour les pendre. La corde, c'est la corde de pendre. Genre, si je dis corde, je suis mal vu, c'est ça ? Pendre. Oh, est-ce que tu peux me pendre sur le mât ? Ah, c'est le dépanneur qui arrive ? Non, je dois dire à lui. Ah non, c'est ta femme. Ouais. La mienne ? Le dépanneur est là. Allô ? Le dépanneur est là. J'ai pas mon téléphone. Ah, j'ai pas mon. Ah, bah tu vois. On arrive au cours. On arrive, ouais. Allez, on viendra voir ça tout à l'heure. Pour la voiture, vas-y. Voilà, ça y est, on a pris possession de nos quartiers, si on peut dire ça comme ça. Et nous, en fait, on est dans une petite maison à côté, regardez. Je vais vous faire voir vite fait. Donc là, vous avez le jardin, avec la piscine, tout ça, en été. Hein, bah là, on va pas trop s'en servir, par contre, il faut faire super gaffe avec les enfants. Donc, il y a un grand jardin là-bas. Voilà, grand jardin, piscine, terrasse, tout ça.
Les amis, ils sont dans le grand logement qui est là-bas, donc en gros, partie commune, et puis ils ont chacun une chambre et tout, des grosses chambres, tout ça, avec salle de bain chacun et tout. Et nous, on est dans ce petit cabanon, là, regardez. Hop, oh, chauffage. Jusqu'ici. Et je vais vous faire voir à l'intérieur, regardez. Donc là, on arrive dans une petite pièce, avec un lit où Lucas et Julia, ils vont dormir. Voilà, ils vont dormir là, tous les deux. Les grands, ils dorment là-bas avec les copains et copines, tout ça. J'espère qu'ils vont pas faire trop de bêtises. Nous, ici, on arrive... Notre grande chambre, salle de bain, oula, salle de bain, regardez, salle de bain, hein, Charlotte est en train de tout poser, ouais. C'est bien, et il y avait du, regardez, on ne sait pas si c'est du vrai, il y avait du Chanel numéro 5, du coup j'en ai mis sur Charlotte, c'est comme maintenant, ça elle sent bon, ouais, maintenant elle sent bon, je cocotte, ouais, la cocotte, et là une petite baignoire, hein. Allez vous deviner ce qu'on va faire dedans, bah des douches, et puis on va se laver quoi, ok. Et ici, je me suis aménagé un petit coin bureau pour faire mes petits montages tranquillement. Voilà, regardez, ça n'est pas bien. Hop, ici et ici, voilà. Et si vous n'avez pas vu, vous avez vu vite fait les petites images là-bas, dans la maison d'à côté, vous avez vu, c'est super chouette, il y a des instruments de musique, tout ça. Heureusement qu'on reste ici avec les petits parce qu'il n'y a pas grand-chose. Parce que là, il faut faire super gaffe qu'ils ne cassent pas quelque chose ou quoi. Et du coup, on est trop bien ici dans notre petite maison, là, notre petite cabane. Bah, les repas, bah, on ira manger avec les copains voilà, midi et soir là-bas, tranquille. Bah, tu l'as fini avec eux. Bon, et bien voilà, les nouvelles, Yo-Yo. Les nouvelles, le 4x4 est malade. 4x4 est très malade, boîte de vitesse. On l'emmène, il y a l'assurance qui va l'emmener dans un autre garage qui pourra peut-être s'en occuper. En fin de semaine. D'ici samedi, ouais. Enfin, voilà, il va essayer. D'ici samedi. Mais il va essayer. Donc on espère que ça va le faire. Affaire à suivre dans les prochaines vidéos. Et là, normalement, jeudi, on aura bien avancé sur le bateau. Nettoyage, décrassage. Ouais, mais je mettrai la vidéo jeudi. Ah bon. Ouais. Jeudi alors. Il t'a tout hein ferré. Voilà. D'ici alors. C'est pas en direct. Non mais je le mettrai quand même, ça me dérange pas. D'ici jeudi, il y a du taf. Moi je fais pas trop de coupage. D'ici jeudi, il y a du taf. Bah, du boulot d'ici jeudi. Exactement. Donc prenez soin de vous. À bientôt. J'espère que vous avez bien rigolé sur cette vidéo parce qu'on n'a pas arrêté de faire le zouave en voiture. Et puis bah voilà. Lâche Koumoun, hein, comme on dit. Ça arrive. Mais ça va s'arrêter. Après, c'est fini. Là, j'ai cumulé. Apparemment, c'est la tige qui tient la fourchette de marche arrière qui se barre. Bah, ça serait et impossible de repasser les vitesses. Voilà. En fait. Ouais, déconne pas, on n'a pas d'outils avec la voiture. Hein. Nous, ça roule bien, on n'a pas envie de tomber en panne. Hein. Gros bisous à tous. Allez, on vous embrasse. Et à jeudi pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao. À bientôt. Bye bye. Dans ce beau logement. Et hey, petit bonus, il fallait qu'on vous montre. Si vous avez un vieux lave-vaisselle qui est tout pourri et que vous savez pas quoi en faire, on s'est fait eu. Et ben du coup, vous l'ouvrez. On s'est dit génial, un lave-vaisselle. Vous enlevez l'intérieur et vous mettez des planches et ça fait un meuble. Jérémy va être obligé de faire la vaisselle. Non, il y en a un deuxième là-bas de la vaisselle. C'est trop dingue. De toute façon, je suis un homme, je ne fais pas la vaisselle. Pas vrai? Ouais.